prenez le temps ici de vous asseoir dans une posture confortable pour vous. Utilisez peut-être des blocs afin d'appuyer les genoux sur les blocs ou venir vous asseoir sur un bloc afin d'aider le dos à rester allongé. Permettez à vos yeux de se fermer. Permettez à votre corps de se détendre complètement. Dirigez votre attention vers votre souffle. Prenez le temps d'inspirer en venant créer l'espace complètement à la base de votre ventre. Et lorsque vous expirez, ressentez ce relâchement à l'intérieur de vous. Laissez l'air ressortir sans contrôle. Votre inspiration devenir de plus en plus grande, de plus en plus profonde. À chaque expiration, ressentez ce lâcher prise en vous. D'observer dans quelle énergie vous vous sentez aujourd'hui. Comment vous vous sentez physiquement? Prenez soin de rester connecté au moment présent. Restez connecté à vous-même. Doucement, inspirez. Laissez les bras redresser de chaque côté de vous. Plus que les mains montent, plus que les épaules prennent le temps de descendre, se reposer. Expirez et redescendez. On reprend à nouveau. On inspire, les mains redressent. On vient activer jusqu'au bout des doigts, les épaules toujours basses. Et on expire, on descend. Cette fois, déposez la main droite sur le sol, laissez la main gauche venir vous bercer vers le côté droit, afin d'étirer le côté gauche de votre corps. Pensez à bien descendre la hanche gauche vers le sol, à rester ancré. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez main gauche vers le sol. Redressez doucement le bras droit. Et venez chercher de l'autre côté. Descendez la hanche droite. Et sentez l'énergie qui remonte jusqu'au bout des doigts de la main droite. Respire. Et on expire. On ramène les deux mains vers le haut ici. À l'expiration, laissez les mains se presser et se rapprocher vers votre cœur. On va prendre un moment ici pour s'offrir une intention pour notre pratique. Et doucement inspirez, redressez les mains, allongez les hanches jusqu'au bout des doigts. Et
et expirez, redescendez doucement. Et juste ici, on va commencer à se diriger vers notre V inversé, en venant placer les mains à la largeur de nos épaules. On vient détendre les épaules, on agrippe les orteils et on redresse doucement le bassin vers notre V inversé. On va fléchir nos genoux ici en alternance pour réveiller l'arrière de nos jambes, pour réveiller en dessous de nos pieds. On prend le temps de rester connecté à son souffle, toujours lent, toujours profond. Et doucement, fléchis les deux genoux et presse les cuisses contre le ventre, monte le coccyx vers le haut, respire doucement. Et à l'expiration, déroule chacune de tes vertèbres, ramène épaules au-dessus de tes mains. On se dirige vers la planche et ici, on allonge des talons jusqu'à la tête. On dépose les genoux au sol, on garde une belle ligne droite de nos genoux jusqu'à la tête et on descend les coudes en flexion à 90 degrés. On rapproche les coudes de soi, on roule les épaules doucement. Et on va déposer tout le corps au sol ici. On remonte en douceur notre cœur, notre front. En venant glisser tranquillement les coudes en dessous de nos épaules. Option de garder le regard au sol, option ici de laisser le regard redresser. On active à la base de notre dos, on active notre abdomen et on presse le dessus des pieds au sol. Respirez doucement. Et à l'expiration, on ramène doucement les mains dessous des épaules et on va retrouver ici la posture Balasana. On amène les hanches vers les pieds. On dépose le front sur le sol. Et on détend les épaules ici. Vous avez l'option de garder les genoux l'un vers l'autre pour supporter la base de votre dos. Ou peut-être d'ouvrir les genoux un peu plus larges que le tronc pour créer de l'espace pour votre ventre. Respirez doucement. Et à l'expiration, déroulez chacune de vos vertèbres, ramenez épaules au-dessus des mains. Ici, on va descendre dans le demi-chaturanga en amenant les coudes 90 degrés. On les garde 90 degrés ici et on roule doucement les épaules sans déposer les hanches. On vient trouver notre ouverture à nous. Donc, on ajuste, soit les hanches restent plus hautes, peuvent descendre. Le regard soit au sol, soit vers l'avant ou vers le haut. On inspire doucement. À l'expiration, retrouvez Balasana. Les hanches reviennent sur les pieds, le front vers le sol. On reprend à nouveau, on inspire. Et on expire, épaules au-dessus des mains. On descend dans notre Chaturanga. Et on vient ouvrir le cœur en douceur. On active le bas du dos, l'abdomen, on presse le dessus des pieds au sol, on respire. Et cette fois, on va agripper nos orteils et on va retrouver notre V inversé. On détend les épaules, on remonte le coccyx vers le haut, on fléchit les genoux afin de bien allonger le dos. Et si c'est confortable, on voit si les talons peuvent redescendre un peu ou complètement seuls. On inspire et on va redresser notre jambe droite ici. On va ouvrir à la hanche droite et on va fléchir notre genou droit. On respire doucement et sur l'expiration, on amène le genou vers notre cœur et on dépose pied droit entre les mains. On aligne notre genou droit au-dessus de la cheville droite. On crée l'espace parfait pour nous entre les deux jambes, soit plus large pour plus d'intensité, soit plus rapproché pour moins d'intensité. Et ensuite, on redresse épaules au-dessus des hanches, on redresse les bras doucement. De se permettre d'ouvrir le cœur si c'est accessible et on expire, on redescend les mains doucement. On garde les épaules vers le haut et on redresse doucement les bras. Inspire. Et on expire, les mains redescendent à nouveau. Inspire, redresser.
Et cette fois, à l'expiration, on va porter les bras parallèles au sol et on va déposer pied gauche perpendiculaire à notre pied droit afin de venir travailler l'ouverture des hanches. On amène le regard au-dessus de la main droite et doucement on se berce derrière en remontant bras droit. Inspirez, ramenez le nombril vers la colonne et à l'expiration, ramenez les deux mains vers le sol. Redressez le talon gauche ici. Donc les deux mains vers le sol, on revient vers une posture de la planche. Et tranquillement, on dépose les genoux au sol et on descend dans le chaturanga. On ouvre notre cœur, on respire. À l'expiration, on retrouve le V inversé. On agrippe les orteils, on redresse le bassin. On relâche la tête complètement. Et on sent l'énergie des mains qui remonte jusqu'aux hanches. On prend soin de bien ouvrir les mains vers le sol et de presser le poids davantage vers l'index et le pouce. Inspirez, on redresse la jambe gauche, on ouvre à la hanche gauche et on fléchit notre genou gauche. Respire doucement et à l'expiration, amène le genou vers ton cœur. Arrondis le dos pour créer de l'espace pour le pied et dépose-le entre les mains. Ici, pense à remonter au niveau de la cuisse droite, à bien activer à l'arrière de ta jambe et là, redresser les bras, les épaules. Ici, imaginez comme si le genou gauche veut aller vers l'avant et si le talon droit lui veut reculer derrière. Ressentez ces deux énergies inverses. Les hanches sont au carré, donc hanche droite, hanche gauche sur la même ligne. On inspire, option d'ouvrir le cœur et à l'expiration, descendez les bras. Sentez l'action jusqu'au bout des doigts ici. Et on inspire, on redresse doucement. On garde les épaules bien détendues, les jambes bien actives, le dos bien allongé. Expirez, descendez les bras. Inspirez, redressez. Et cette fois, on va apporter le pied droit perpendiculaire à notre pied gauche. On descend les deux bras parallèles au sol et là, on amène l'ouverture dans les hanches. On prend soin de garder le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On ramène le nombril vers la colonne et on se berce derrière. Bras gauche, redresse. Inspire. À l'expiration, ramène les deux mains vers le sol. On retrouve la posture de planche. On dépose ou pas les genoux au sol. On choisit sa variation parfaite. Et on descend en propulsant les épaules vers l'avant dans notre chaturanga. Ensuite, ouvrez le cœur, roulez les épaules derrière et sentez l'action qui monte du dessus des pieds vers les hanches et vers le cœur. Inspirez. À l'expiration, ramenez doucement hanches vers le haut. Retrouvez votre V inversé. Et doucement, on inspire. La jambe droite redresse, ouvrira la hanche. Expirez, ramenez le genou vers le cœur, épaules au-dessus des mains ou peut-être un peu à l'avant des mains. Inspire, redresse la jambe vers le haut, bascule les hanches vers l'arrière, les épaules reculent. Expire, genou vers le bras gauche. Inspirez, remontez doucement. Expirez, ramenez le genou vers le bras droit, option de fléchir les coudes et de déposer le genou sur le bras. Inspirez, remontez la jambe. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le cœur. On centre notre main droite sur le tapis. On redresse la main gauche et on allonge jambe droite devant soi. Soit le pied est au sol, soit le pied vers le haut. On respire doucement. Et on expire, on ramène main et pied sur le tapis. Et on descend dans notre chaturanga avec ou sans genou au sol. On ouvre le cœur. On respire doucement et on expire. Les hanches redressent tranquillement. Ici, on va faire une préparation pour le saut des pieds entre les mains. On fléchit les genoux, on observe entre les mains. On inspire et sur l'expiration, on propulse les épaules au-dessus des mains. On reprend deux fois à votre rythme. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspire doucement. Expire. Et cette fois, inspire, option de sauter les pieds à l'expiration entre les mains ou de marcher jusqu'à l'avant du tapis. Redresse les hanches, relâche le dos, la tête. Respire doucement. Expire. À l'inspiration, ramène les épaules à la même hauteur que tes hanches.
option de garder les mains sur les jambes ou d'allonger les mains devant toi, la tête dans le prolongement de ton corps. Ramener les mains vers le sol. Option d'apporter un pied à la fois derrière ici. En fait, on apporte un pied à l'arrière et on descend sur les genoux, pas au sol. On descend dans notre chaturanga. Ouvrez le cœur. Et on expire, on ramène les hanches vers le haut. On redresse jambe gauche, inspire. Expire, genoux vers le cœur. Inspirez, redressez la jambe. Reculez les épaules, les hanches. Expire, genoux vers le bras droit. Inspire, remonte doucement. Recule les hanches, les épaules. Expire, genou gauche vers le bras gauche. Option de fléchir et de déposer le coude. Respirez, remontez. On ramène à l'expiration, genou vers le cœur. On centre notre main gauche. Et on allonge jambe gauche devant centre, dresse le bras droit. Le pied gauche est soit devant ou au sol. Respirez. À l'expiration, ramène main et pied au sol. Descend chaturanga. Coude vers les côtes. Allonge ici doucement et viens chercher ton ouverture. Pense à bien presser le poids sur le dessous des pieds. À garder l'action dans les jambes. Les genoux ici ne touchent pas au sol. Si c'est confortable pour vous. Et on ramène les hanches vers le haut. On observe entre les mains et on se prépare pour sauter les pieds entre les mains. Respirez. À l'expiration, sautez doucement, pieds entre les mains. Remontez les épaules à la demi, à la même hauteur que vos hanches. Et on ramène les mains vers le sol. Ici, on va avoir l'option d'amener un pied à la fois derrière vers la planche et d'aller chercher le chaturanga. Ou peut-être de sauter dans notre chaturanga. Si on saute, on inspire et à l'expiration, on atterrit directement les coudes en flexion pour bien amortir le saut. Ensuite, on ouvre le cœur. On respire. Et à l'expiration, on ramène les hanches vers le haut. Inspire doucement. Ramène le regard entre les mains. Expire, saute les pieds entre les mains. On reprend encore une fois. On remonte les épaules à la même hauteur que les hanches. On expire, on ramène les mains vers le tapis et on respire doucement lorsqu'on est prêt. On saute ou on marche vers notre chaturanga. On ouvre le cœur et on expire. On ramène les hanches vers le haut. On redresse doucement ici notre jambe droite vers le haut. On vient ouvrir à la hanche droite. On fléchit notre genou droit. Et on amène le genou vers notre cœur, on dépose pied droit entre les mains. On remonte doucement les bras ici, on vient ouvrir le cœur doucement. On sent la distance comme si on veut avancer le genou droit, si on veut reculer le talon gauche. Inspirez doucement et à l'expiration, fléchissez les coudes comme si vous désirez les joindre derrière, vous fléchissez le genou gauche. En venant frôler le sol sans le déposer au sol. On inspire, on allonge jambes et bras. Et on expire, on fléchit coudes et bras. On détend les épaules, inspirez, remontez. Pensez à détendre les orteils de votre pied droit. Expirez, descendez. Et tranquillement, on inspire, on allonge. Ici, on va avoir plusieurs options. On va venir chercher notre équilibre sur la jambe droite. On a l'option de passer chercher les blocs, de les amener en dessous de chacune de nos épaules. Et là, on va allonger la jambe droite en remontant les hanches au-dessus du pied droit. On remonte le pied gauche derrière. On garde les hanches au carré, donc la hanche gauche est à la même hauteur que la hanche droite et on active le fessier droit. Option de maintenir ici, si c'est confortable. Option de monter le bras droit vers le haut. On respire doucement. Si on sent qu'on n'a pas besoin des blocs, on peut laisser la main gauche se libérer du bloc. On observe ce qu'on a besoin, on inspire. Et à l'expiration, on remonte les épaules et le genou vers le haut et on inverse les mains. La main droite vient chercher le genou gauche et la main gauche vient vers l'arrière. On allonge dans la jambe d'appui, dans le dos, on détend les épaules. Si c'est confortable, option de maintenir ici. Option de voir si on peut aller chercher le pied ici. Donc, avec la main droite, on prend le pied gauche.
Option de maintenir ici. Si c'est confortable, on allonge le dos, la jambe d'appui et on voit si la jambe gauche peut s'allonger un petit peu ou complètement. On respire doucement. Expirez et là on va inverser les mains. La main gauche va venir chercher soit le genou ou soit le pied. La main droite va s'ouvrir doucement et on ouvre légèrement le genou gauche. Ici, on peut aller chercher notre pied gauche si c'est accessible. On peut voir si la jambe gauche peut s'allonger un petit peu. On respire. Et tranquillement, on va venir déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. On descend ici le genou gauche vers l'arrière de notre tapis. On fléchit notre genou droit. On ramène les mains vers le haut et on garde les épaules détendues. Ramenez le nombril vers la colonne. Amenez le poids au niveau du talon droit et activez votre fessier droit. Ressentez l'étirement du fessier gauche. Respirez. À l'expiration, ramenez peut-être les mains vers le cœur ou peut-être les mains derrière votre dos. Respirez doucement. Et là, remontez les bras, remontez le genou gauche. Allongez le corps. Et venez déposer pied gauche au sol. Inspirez, allongez les talons jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on ramène les mains vers le sol. On va libérer les blocs ici. Et on va déposer les mains au sol. Option ici de sauter vers le chaturanga ou d'amener un pied à la fois derrière. On ouvre le cœur. On respire doucement. Et on expire, les hanches redressent. On respire, la jambe gauche redresse. On vient ouvrir à la hanche, on fléchit notre genou. Et on amène le genou vers le cœur. On dépose le pied entre les mains. On crée la distance parfaite entre nos pieds et on redresse nos bras, nos épaules. Gardez les hanches au carré, inspirez. Et à l'expiration, fléchissez genoux et coudes. Faites briller le cœur vers l'avant. Descendez le genou vers le sol et inspirez, allongez. Expirez, fléchissez. Inspire, allonge. Dernière fois, on expire. Et on inspire, on allonge. Ici, vous avez l'option 1 d'aller chercher les blocs ou d'aller directement vers la posture d'équilibre. En allongeant la jambe gauche et en redressant la jambe droite. Les mains soit vers le cœur, soit sur le sol, sur les blocs. On choisit notre variation parfaite. On respire. On active bien le fessier gauche et tranquillement, option de maintenir ici, option de monter la main gauche vers le haut, de descendre le bras droit. On vient chercher ce défi qui est parfait pour nous aujourd'hui. On ajuste selon notre énergie. Et tranquillement, on va remonter les épaules, le genou droit. On alterne les bras ici. On amène la main droite derrière, la main gauche vient sur le genou droit. On respire. Option de maintenir ici. Si c'est confortable, option de voir si la main gauche peut aller chercher le pied droit. Option de voir si on peut allonger tout le corps, si peut-être la jambe droite aussi. On détend les épaules, on respire. Et sur une expiration, on ramène main droite vers le pied droit ou vers le genou. On vient ouvrir à la hanche droite. Le bras gauche s'ouvre aussi sur le côté. Option de maintenir, option d'aller chercher les orteils de votre pied droit. On allonge notre jambe droite doucement. On voit si c'est confortable pour soi. On respire. Et à l'expiration, déposez la cheville sur la cuisse gauche. Descendez le genou droit vers l'arrière et fléchissez le genou gauche. Ramenez le nombril vers la colonne. Et là, voyez si les hanches peuvent descendre. Assurez-vous que vous ayez bien le poids au niveau de votre talon gauche ici. Et que les orteils du pied gauche peuvent décoller doucement du sol. Option de garder les bras vers le haut, de garder les mains vers le cœur. On ajuste selon le confort de nos épaules. On respire doucement. Expirez.
Et à l'inspiration, allongez doucement le corps, remontez les bras, genoux droits. Et tranquillement, ramenez les deux pieds au sol. Allongez les talons jusqu'à la tête. Inspirez. Et à l'expiration, plongez le cœur doucement vers le sol. On inspire, on remonte à la demi. Les bras soit sur les jambes, soit devant soi. Et on expire, on ramène les mains vers le sol. Ici, tranquillement, on va venir s'asseoir sur le tapis. Et cette fois, on va venir allonger notre dos. On s'assoit d'être bien assis au niveau des petits os des fessiers. Avec les mains, on va venir chercher en dessous des cuisses. On incline doucement les épaules. Et on voit si les pieds peuvent décoller du sol. S'il y a des inconforts, on peut ramener les pieds au sol sans problème. Ici, option de voir si on peut aller chercher au niveau des chevilles. On peut garder les genoux fléchis quand même. On ajuste pour ça. Si ça va, on peut voir si les jambes peuvent s'allonger ici. On respire doucement. Et là, voyez si vous pouvez relâcher les jambes. Laissez les bras de chaque côté de vous. On ajuste. Si c'est trop demandant, on revient un niveau en dessous. Respirez. Voyez si vous pouvez commencer à éloigner les épaules de vos chevilles, comme si on désire aller se coucher au sol, mais on ne touche pas les épaules ni les pieds. Et ensuite, on expire, on ramène. On reprend une deuxième fois. Inspirez, éloignez les épaules des chevilles. Expirez, ramenez doucement. Et ici, allez chercher vos chevilles et venez chercher l'allongement des jambes. On relâche simplement ici, on vient chercher la flexibilité. On respire doucement. Expire. Laisse les pieds se déposer au sol. Garde les jambes tendues. Et laisse ici. Respire doucement. À l'expiration, ramène épaule vers cheville. Et tranquillement, on va s'en aller vers la pose en allongeant les jambes contre le sol. On descend les épaules vers l'avant. On détend ici nos épaules, on laisse le dos relâcher complètement. Respirez. Expirez. Et tranquillement, on va laisser les pieds revenir vers l'arrière de notre tapis. On va venir déposer nos avant-bras au sol, la largeur de nos épaules. Pour s'assurer que les coudes soient bien à la largeur des épaules, on peut, avec le bras opposé, entourer notre bras. Avec la main opposée, on peut entourer le bras. Et ensuite, on va prendre soin de bien presser sur la totalité de notre avant-bras, donc autant vers le centre que vers les coudes, que vers les mains. On laisse la tête se détendre, le regard va être vers les pieds, la tête est entre les mains. Et doucement, on voit si on peut redresser les hanches en agrippant les orteils au sol. On active l'abdomen ici et on garde les épaules très fortes. Option ici de respirer. Si c'est confortable, option de voir si on peut marcher davantage les pieds vers les épaules. Option de voir si on peut monter une jambe. On ajuste pour son intensité à soi. Et là, tranquillement, on va inspirer. Option d'avancer le menton devant les mains. Et on expire, on recule, on reprend encore une fois, on inspire vers l'avant. Expirez vers l'arrière, déposez le pied droit. Ici, voyez si vous pouvez monter la jambe gauche. On refait la même chose, on inspire, on avance doucement, le menton. Et on expire, on recule. Inspirez, ramenez l'épaule vers l'avant. Expirez. Descendez le pied gauche, déposez ici les genoux en flexion vers le sol et on va vers Balasana, les hanches sur les pieds, le front vers le sol. Et cette fois, on amène les deux mains de chaque côté de nos jambes pour relâcher davantage les épaules. Prenez quelques respirations ici.
Venez tranquillement ramener les mains vers l'avant. On va inspirer et à l'expiration, ramener les épaules au-dessus des mains. Ici, on va centrer les genoux et on va tourner notre tibia droit vers le côté droit, à l'extérieur de notre tapis. Ici, on va avancer un tout petit peu la main droite devant l'épaule droite et on va redresser la main gauche vers le haut en allongeant notre jambe gauche. Et là, on veut faire comme une demi-lune ici. Donc, on monte le bassin vers le haut et on descend bras gauche vers le sol. On respire, on ressent cet étirement sur le côté du corps. Et tranquillement, on ramène la main gauche vers le haut et on dépose main gauche et genou gauche sur le sol. On va prendre une inspiration et à l'expiration, on va arrondir ici de notre bassin jusqu'à la tête. On crée de l'espace entre les omoplates. On ramène le menton vers le sternum. Respirez. Et doucement, on ramène le dos droit. On va aller chercher de l'autre côté ici. On amène main gauche un peu devant l'épaule gauche. On tourne la jambe gauche sur le côté et on allonge jambe droite. On vient chercher ici la demi-lune. On presse les hanches vers le haut. On détend les épaules et on respire. Respirez doucement. Et on expire, on ramène bras droit vers le haut. Et on redescend main droite et genou droit. Et on vient rechercher cette rondeur à l'arrière de notre dos. Respirez, relâchez la tête complètement. Et tranquillement, on ramène le dos droit, on agrippe les orteils, on retrouve notre V inversé. On va respirer doucement, on redresse notre jambe droite et on ouvre à la hanche droite. On fléchit le genou droit ici, on respire et on dépose pied droit entre les mains. On dépose le pied gauche perpendiculaire à notre pied droit. On amène ici doucement le bras gauche, le bras droit vers le haut et on se berce derrière. La main droite redresse, on respire. Et à l'expiration, on va venir déposer le coude droit sur le genou droit. On redresse la main gauche vers le haut. On pense à remonter la hanche gauche, l'épaule gauche au-dessus de la hanche droite et de l'épaule droite. Si c'est confortable, option de presser la main droite directement sur l'intérieur de la jambe droite. On respire. Ici, tranquillement, amenez la main gauche et amenez-la à l'arrière de votre dos vers la hanche gauche. Respirez. Option de maintenir ici. Si c'est confortable, on peut voir si le bras droit peut se faufiler, glisser en dessous de la cuisse droite et aller vers notre main gauche derrière le dos. Les deux mains peuvent peut-être se clipser l'une à l'autre. On respire doucement. On pense à toujours presser le poids à l'extérieur des pieds et tranquillement, on ramène le regard vers le pied droit. On relâche la main droite et on vient se bercer derrière. Remontez la main droite doucement. Détendez les épaules. Et tranquillement, ramenez les mains vers le cœur. Remontez le talon gauche ici derrière. Et on va rapprocher un petit peu les pieds afin d'allonger les deux jambes. Ici, vous avez l'option de venir chercher les blocs. On va descendre en gardant le dos droit, les mains vers le sol. Si les mains se rendent directement, pas besoin d'avoir un bloc ici. On va ressentir l'éveil à l'arrière de la jambe droite. On relâche la tête ici, on respire. Expire. Si c'est confortable, option d'amener les mains directement sur la jambe droite pour aller chercher un petit défi de plus. On observe comment on se sent. Si on a envie d'un autre défi, option d'amener les mains enlacées à l'arrière de notre dos. De rouler les épaules et de voir si les mains peuvent s'éloigner du dos. On respire doucement et on reste connecté à notre
point focus. On reste connecté à notre souffle. Respirez. Et à l'expiration, commencez à fléchir un tout petit peu le genou droit. Et ici, amenez votre pied gauche à l'avant. On peut garder les deux mains derrière le dos. On relâche la tête ici. On peut voir si les mains peuvent redresser doucement. Respirez. Expirez. Ramenez les mains vers les hanches. Ramenez les mains vers le sol. On inspire et on remonte à la demi ici. Les bras sur les jambes ou vers l'avant de soi. Et tranquillement, on ramène les mains au sol et on se dirige vers notre chaturanga, soit en marchant les pieds derrière, soit en sautant vers le chaturanga. On ouvre notre cœur. On respire doucement. Et on expire, on ramène les hanches vers le haut. On redresse notre jambe gauche. On ouvre la hanche et on fléchit le genou et on vient déposer le pied gauche entre les mains. Déposez le pied droit perpendiculaire à votre pied gauche, remontez le bras droit, le bras gauche, venez vous bercer derrière. Ici, on presse le poids à l'extérieur des pieds, on détend les épaules et on ressent l'ouverture des hanches. Respirez et déposez le coude gauche sur le genou gauche, remontez bras droit au-dessus. Allongez dans le dos et ramenez le nombril vers la colonne. Si c'est confortable, le bras gauche se presse à l'intérieur du mollet gauche. On respire et on amène main droite derrière soi, vers l'arrière de notre dos, vers la hanche gauche. Option de maintenir ici ou d'aller chercher un petit défi en glissant le bras gauche qui se faufile vers l'arrière. Les deux mains peuvent se joindre l'une à l'autre. Et là, on pense à remonter l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On respire. Le poids est toujours pressé à l'extérieur des pieds, surtout à l'extérieur du pied droit. Et tranquillement, on laisse la main gauche descendre pour remonter, se bercer vers le haut. Les épaules toujours basses, on respire. Et on expire, on ramène les mains vers le cœur, le regard vers l'avant de notre tapis. On redresse le talon droit et on avance le pied. Afin d'allonger les deux jambes, on amène les hanches au carré. On ramène hanche droite vers l'avant. On descend ici le dos droit. Et on ajuste avec la hauteur, soit en utilisant des blocs, soit en amenant les mains vers le sol. Ensuite, on relâche le haut du dos, on laisse aller la tête. Et tranquillement, option d'amener les mains sur la jambe, option d'amener les mains derrière le dos. On ajuste notre défi parfait pour ça. Et tranquillement, on va ramener le pied droit à l'avant. Et on va relâcher le dos ici, on laisse aller la tête complètement. Les mains soit vers le sol, soit à l'arrière de soi, on ajuste. Doucement, inspirez, remontez les épaules à la demi. Ramenez doucement les mains vers les jambes, vers l'avant de soi. Et on ramène les mains vers le sol. On vient chercher notre chaturanga. Soit en marchant un pas derrière, soit en sautant derrière. On ouvre le cœur. On respire. Et on expire. Les hanches redressent. On retrouve le V inversé. Et juste ici, on remonte la jambe droite. On ouvre la hanche. Et on va déposer le genou droit en dessous de la main droite. La cheville va venir vers notre main gauche. On va ajuster l'intensité de l'étirement du fessier droit en fonction de la cheville droite. Soit moins d'intensité en rapprochant la cheville de la hanche gauche ou plus d'intensité en rapprochant la cheville de notre main gauche. On ajuste pour ça. Et on pense à garder les hanches au carré. Encore une fois, la hanche gauche reste sur la même ligne que la hanche droite. Option de garder les mains ici, on peut utiliser un bloc aussi pour déposer les mains ou peut-être on apporte les mains sur les avant-bras.
le poids en fait sur les avant-bras. On observe comment on se sent, la tête peut aller au sol ou se déposer sur un bloc. On respire. Tranquillement, vous avez l'option de maintenir ici ou peut-être de ramener les épaules au-dessus des hanches, de venir fléchir le genou à l'arrière pour étirer le quadriceps gauche. On peut même aller chercher notre cheville ou peut-être notre talon. On respire doucement. Option de garder la main droite au sol ou d'aller chercher un peu de stabilité en redressant le bras droit. On respire juste ici. Vous aider dans l'équilibre ici, c'est important que le pied droit soit flex, que les orteils soient rapprochés le plus possible de votre genou droit, ce qui va vous aider à maintenir la posture. On respire. Et à l'expiration, ramène main et pied vers le sol. Agrippe les orteils de ton pied gauche, redresse le genou gauche et ramène les deux pieds derrière. Fléchis les genoux en alternance. Rééquilibre. Et tranquillement, on va faire la jambe gauche qu'on redresse vers le haut, on ouvre la hanche, on fléchit le genou gauche et on vient déposer le genou gauche en dessous de la main gauche. On descend le genou droit au sol, on ajuste selon notre flexibilité, notre genou droit, notre cheville gauche et on a l'option de maintenir ou d'aller sur les avant-bras en utilisant ou pas les blocs. On relâche la tête. Option de maintenir, option de redresser les épaules afin de venir chercher la flexion du genou droit. On peut garder tel quel ou aller chercher notre talon droit avec la main. On ajuste pour soi. On ramène main, pied au sol, on agrippe les orteils de notre pied droit, le genou aussi, on ramène les deux hanches, les hanches en fait vers le haut, les deux pieds derrière et on fléchit genou en alternance. Respire doucement. Et tranquillement, viens déposer les deux genoux au sol. Et on va venir doucement déposer les hanches pour s'asseoir sur notre tapis. Ici, on trouve une posture qui est confortable pour soi, soit les jambes croisées. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez presser les pieds l'un à l'autre. On peut utiliser toujours les blocs en dessous des genoux, on ajuste pour soi. Et là, on va inspirer, on redresse les bras tranquillement. On garde les épaules détendues et on fait passer le bras droit au-dessus du bras gauche. On va fléchir les coudes en les emboîtant l'un dans l'autre. Prenez deux grandes respirations ici, détendez les épaules, remontez les coudes. Ok.
tranquillement, laissez la main droite aller vers l'épaule gauche, main gauche vers l'épaule droite. Et là, on va enrouler l'arrière de notre dos. On respire doucement, relâchez la tête. Option de rester droit ou d'amener le dos en flexion d'un côté. Ensuite, de l'autre côté, on ajuste pour soi, on crée de l'espace entre les omoplates. Et on prend le temps ici de respirer dans le haut de la cage thoracique. Et doucement, on revient stable. On ramène le dos droit et on ouvre les bras de chaque côté de soi en fléchissant les coudes. On tourne les pouces vers l'arrière. Et on vient verser la tête de la gauche vers la droite. Afin de relâcher au niveau de notre corps. Et doucement, ramène le corps droit, le visage droit. Redresse les bras doucement ici. Cette fois, détends les épaules, ramène bras gauche au-dessus du bras droit. Viens emboîter les coudes l'un dans l'autre. Détends les épaules, respire. Et doucement, amène main droite vers l'épaule gauche, main gauche vers l'épaule droite et bien arrondir le dos complètement. Crée l'espace derrière. Option de rester ici ou de te bercer. Doucement, reviens stable, ramène le dos droit, viens ouvrir les bras en fléchissant les coudes, pousse vers l'arrière, berce la tête de la gauche vers la droite. Tranquillement, reviens stable. Ramenez les mains vers le sol. On va se diriger ici vers une posture couchée complètement vers le sol. Donc, ramenez les hanches au centre de votre tapis. Si vous avez des petits oreillers pour les yeux, vous pouvez les utiliser pour la période du Shavasana qu'on appelle, qui est la période de relaxation. Alors, rapprochez-la de vous. Et on va venir dérouler chacune de vos vertèbres. Relâchez au niveau du dos. On apporte les cuisses vers notre ventre et on vient presser les cuisses de chaque côté du ventre. Respire doucement. Option de maintenir ici ou peut-être avec les mains d'aller chercher les chevilles ou les plantes des pieds. Et d'ouvrir les genoux de chaque côté. On peut se bercer de la gauche vers la droite ici pour offrir un massage au bas de notre dos. Et tranquillement, reviens stable. Viens déposer les pieds la largeur de ton tapis contre le sol. Ouvre les bras de chaque côté de toi et viens descendre les genoux vers le côté gauche. Donc les pieds largeur du tapis. On descend les genoux vers la gauche. On garde les deux épaules au sol ici. On respire. Inspire.
Inspirez. Et à l'expiration, ramenez les genoux cette fois vers le côté droit. Prenez de grandes respirations, ramenez le souffle à la base de votre ventre. Et tranquillement, ramenez les genoux ici vers le haut. On va prendre le temps de placer les épaules bien détendues, les mains de chaque côté des hanches avec un peu d'espace, les jointures vers le sol, paume de la main vers le haut. Et ici, on va allonger les jambes vers notre Shavasana, vers la posture de repos. On peut déposer l'oreiller pour les yeux afin de détendre davantage notre corps. Et ici, on laisse aller complètement le souffle. On permet à notre corps d'intégrer cette pratique. Doucement, trouvez un souffle de plus en plus profond. Laissez les mains, les pieds bouger lentement. Prenez le temps peut-être d'étirer votre corps dans cette posture. Thank you.
lorsque vous êtes prêt, fléchissez un genou à la fois. Laissez votre corps se tourner vers le côté gauche. Utilisez la main droite pour redresser le corps vers une position assise. Va s'offrir un moment de gratitude pour ce temps offert à soi-même. Pour cette intention qui vous a accompagné tout au long de la séance. Namaste. Merci énormément, j'espère que ça vous a fait plaisir. Bonne journée.